Bonjour tout le monde. Nous voulons recevoir toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce que vous voulez bien vous lever et nous allons vous recevoir avec joie. Soyez les bienvenus chez les fous de Jésus. Nous vous recevons avec joie. Donc si vous voulez à la fin, si vous n'êtes pas pressé, à la fin on pourra échanger un peu. Merci. Donc que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es. Tu es amour, tu es grand, tu es saint, tu es Seigneur juste. Et nous voulons te dire merci pour toute cette jeunesse que tu appelles. Nous voulons te confier nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, et nous voulons te voir élevé, toi seul en ce lieu. Au nom de Yeshua. Amen. Je voudrais encore rappeler aux personnes d'un certain âge que nous ne voulons surtout pas vous exclure, ce n'est pas l'objectif. Mais nous voulons en même temps nous faire comprendre nous tous que le Seigneur nous a mis particulièrement à cœur de parler à la jeunesse. Et je pense que ceux qui viennent régulièrement au programme que nous organisons ici et là peuvent vraiment nous comprendre que quand on dit la jeunesse, c'est vraiment la jeunesse. Parce qu'on aimerait bien échanger avec la jeunesse. Si vous voulez voir vos enfants avancer avec le Seigneur, permettez-leur, n'est-ce pas, de se retrouver aussi. Donc, il y a des réunions ouvertes à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit la jeunesse, c'est vraiment, vraiment la jeunesse. Amen. C'est la moindre des choses. Je pense que dans toutes les assemblées, quand il y a des réunions de jeunes, ben, c'est des jeunes qui se retrouvent entre eux pour échanger. Donc, c'est aussi, c'est ça être chrétien, c'est respecter aussi les consignes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avant, on laissait faire, mais on s'est rendu compte que à la demande des jeunes, hein, eux-mêmes, qu'ils veulent se retrouver entre eux aussi pour échanger, pour partager. Et il y a besoin de travailler avec la jeunesse aussi. L'ennemi veut récupérer la jeunesse, veut détruire la jeunesse. Donc il faudrait leur permettre de se retrouver. Voilà. C'est bon? Que Dieu soit béni. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui. Alors, tu vas nous aider à chaque fois. Tu fais attention au retour, là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, quand le monsieur il était venu, il a prêché Genèse 6. Et il a parlé des anges qui ont eu des enfants avec des femmes humaines. Et, j'avais déjà lu ça et je me suis aperçu que ce sont des anges déchus. Et il avait dit, oui, ces anges-là, ils avaient des enfants avec des femmes et leurs enfants. Ce sont des gens qui sont faits des renoms. Et je me demande, est-ce que ce sont des gens qui naissent avec des pouvoirs, genre les magiciens? Très bonne question. Rappelle-moi ton prénom déjà. Charles. Charles. Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans. C'est toi qui as témoigné la dernière fois, là. C'était ouais, très, le très jeune timide. Qui était timide. Ouais. Tu ne l'es plus, là? Ouais, je crois. Amen. Ok. Alors, très bonne question, Charles. Et effectivement, dans Genèse chapitre 6, on apprend que les fils de Dieu avaient eu des rapports avec des filles des hommes. Donc, filles des hommes ou littéralement filles d'Adam. Et donc, d'un côté, on nous parle des fils de Dieu et de l'autre, des filles d'Adam. Adam qui veut dire terrien, tiré de la poussière. Et qui étaient ces anges-là? Alors, bien sûr, vous avez beaucoup de théologiens, beaucoup de pasteurs qui disent que ce n'étaient pas des anges, ce n'étaient pas des êtres célestes, mais c'était des descendants de Seth. Seth était un des fils d'Adam. Alors, bien sûr, c'est faux, parce qu'on nous dit qu'il y avait vraiment une différence entre les filles d'Adam, d'un côté, et les fils de Dieu. Donc, c'était bel et bien des anges. Mais qui étaient-ils? Dans Apocalypse chapitre 12, d'abord,
Je sais que vous lisez la Bible. Donc, voilà. Dans Apocalypse 12, je sais que vous suivez les enseignements, c'est bien. Et, alors, juste pour nous dire, quand c'est des réunions de la jeunesse aussi, vous les jeunes qui venez en retard, ne demandez pas à ceux qui vous précèdent de vous réserver des places parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Donc, juste pour aider tout le monde. Et donc, on a vu ça avec des réunions de réveil et il faut vraiment qu'on soit juste. C'est bon? Alors, Genèse 12, nous lisons à partir du verset 1er. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait étant en travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel et voici un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 10 diadèmes ou des couronnes, 7 diadèmes, pardon, des couronnes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Et on nous dit que Satan, dans sa chute, il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Donc c'est énorme. D'accord? Si ces anges pouvaient se matérialiser, la terre même ne serait pas, déjà l'univers ne serait pas assez grand pour les contenir, tellement qu'ils sont nombreux. Donc un tiers d'anges a suivi Satan dans sa rébellion. C'était des anges, bien sûr, des anges qui étaient créés par Dieu. Et plus loin, dans le chapitre 7, toujours, on nous dit, dans le chapitre 12, verset 7, pardon, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent contre Michel, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant Dieu jour et nuit a été précipité. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils les ont exposés à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Voilà. Donc, Satan a été chassé du ciel. Et ça, beaucoup le savent. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait chasser Dieu de son trône parce qu'il a convoité sa position. Il a voulu se faire adorer et il a été chassé. Et un tiers d'anges l'ont suivi. Un tiers. Ces anges l'ont suivi. Et ils ont été précipités du ciel parce qu'ils ne voulaient pas quitter le ciel. Donc il y a eu une guerre. Tu vois, non? Et ces anges-là ne voulaient pas quitter le ciel. Je précise bien pour répondre à ta question. Donc ils sont devenus des démons. Alors, dans leur rébellion, ils ont corrompu, en fait, ils ont changé de nature. Eux qui étaient saints, qui étaient purs, ils sont devenus des bêtes féroces. Ils ont pris la forme des chiens, pour certains, d'autres la forme de serpents, d'autres la forme des scorpions et des bêtes sauvages. C'est pour cela que les gens qui sont possédés ont aussi un comportement bestial. D'accord ? Tels que l'amour, la soif du sexe, la masturbation, le mensonge, tout ça. Donc, ce sont des bêtes sauvages qui habitent en eux. Et ce sont des démons. Il y en a qui sont tombés dans les eaux. Ça donne la sirène des eaux, Mami Wata, tout ça. Et voilà. Et maintenant, dans Genèse 6, qui sont ces anges-là qui ont eu des rapports avec des femmes? Eh bien, Jude nous donne quelques précisions. Jude, chapitre 1er, verset 5, on lit quoi? On commence à partir du verset 5, pardon. « Or, je veux vous rappeler une chose que vous savez déjà. C'est que le Seigneur, après avoir délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru
et qu'il a réservé sous l'obscurité dans des liens éternels jusqu'au jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc on apprend ici qu'il y a aussi une catégorie d'anges qui, ces anges, n'ont pas été chassés du ciel, mais ils ont eux-mêmes, de manière délibérée, abandonné leur demeure, c'est-à-dire le ciel. D'accord ? Donc, et qu'est-ce qui se passe avec ces anges-là ? On nous dit que ces anges-là ont été pris et enchaînés tout de suite par Dieu. Donc, ils ne sortent pas. Ils sont enchaînés, ils sont cachés, ils sont en prison tout de suite. Et, parce qu'ils ont abandonné, ils n'ont pas gardé leur origine. Et, ils sont d'origine céleste, ils n'ont pas gardé leur demeure. Et de manière volontaire, ils l'ont quitté. Et 2 Pierre, et, chapitre 2. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme et les a liés avec des chaînes d'obscurité, les a livrés pour y être gardés jusqu'au jugement. Donc pareil, Pierre, comme Jude, confirme que ces anges sont gardés, n'est-ce pas? Enchaînés. Donc ce sont certainement les anges qui ont quitté leur demeure dans Genèse 6. Et c'était des anges, et effectivement, qui n'avaient pas suivi Satan, mais qui ont quitté leur demeure, parce qu'ils ont convoité les filles des hommes. Voilà. Mais ce que je voulais savoir, c'est en fait, dans Genèse, ils ont eu des enfants avec des femmes. Mm-hmm. Mais est-ce que ce sont des enfants qui naissent avec des pouvoirs, genre? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des démons autour de nous? D'accord. Déjà, les enfants que ces femmes ont eu à l'époque étaient tous détruits. Voilà, parce que Genèse nous dit que la terre était corrompue à l'époque. Donc ces enfants, géants, qui veut dire aussi tombés du ciel, hein, on les appelait comme ça les tombés du ciel, parce que c'était des êtres, hybrides, mélangés, humanoïdes, tout ça. Donc c'était des mi-anges et mi-hommes. Et c'est pour cela que la terre était corrompue. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va extraire une famille de toute cette confusion-là. Il y a une famille qui est restée propre, qui n'a pas été contaminée par ce mélange. Et donc la famille de Noé. Voilà. Et Dieu va prendre cette famille, va la mettre à part, afin que l'humanité soit, en fait, que la terre soit de nouveau peuplée par cette famille qui était conservée. Voilà. Donc Satan, ces anges qui ont suivi, bien sûr, leur propre penchant naturel, enfin, je veux dire, sexuel, ils ont été pris et enchaînés, et leurs enfants, les géants, ont été tous détruits par le déluge. Donc ça veut dire, ça n'a rien à voir avec les magiciens, magiciens qui ont des pouvoirs. Très bonne question par rapport aux magiciens. Il y en a qui sont magiciens parce qu'ils sont, ils font partie de ce qu'on appelle livrés. Livrés. Vous savez, dans le monde, il y a 2 races. Pour nous, les humains, il y en a plusieurs. On parle de la race noire, la race jaune, la race rouge, tout ça. Mais en fait, selon les Écritures, selon Dieu, il y a seulement 2 races. La race élue, 1 Pierre 2,9. Pierre dit, et vous êtes la race élue. Il parle aux vrais chrétiens, c'est-à-dire pas forcément les gens qui vont régulièrement dans les assemblées, mais des gens qui sont choisis par Dieu, qui ont été créés par Dieu, et qui font partie de sa famille. Et ils sont identifiés comme étant le blé. D'accord? Et c'est les vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand ils entendent la voix de Dieu, comme le disait tout à l'heure, eh ben, quand ils entendent la parole, la vraie parole, ben, au fond d'eux, ils disent ça, c'est la vérité. Et ensuite, vous avez la deuxième race, c'est la race de vipères, livrées. Vous savez, les deux plantes se ressemblent, hein, pratiquement. Vous voyez, la différence se fait entre le blé et l'ivraie. La différence se fait à la maturation des fruits. C'est quand les fruits arrivent à la maturité que là, on voit, en fait,
que ben, là, c'est le blé, et là, c'est l'ivraie. Et le Seigneur disait justement dans Matthieu 7 qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu vois? Donc, l'ivraie, maintenant. L'ivraie, ben, c'est des personnes que Satan a plantées dans le monde. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ils peuvent être soit athées, soit faux chrétiens, religieux, et ils peuvent être dedans tu as des gens comme Hitler et plein d'autres. Et il y a plusieurs catégories par rapport à l'ivraie, mais ils ne sont pas de Dieu, ces gens-là. Voilà. Donc ils peuvent être même dans les assemblées, ils peuvent même être là présentement avec nous. Ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne changent pas. Ils ont une double vie. Et quoi que vous fassiez, ils ne changeront pas. Ils vont mourir dans le péché pour se retrouver en enfer parce qu'ils retournent d'où ils viennent, c'est-à-dire vers leur père qui est le diable. Voilà. Quoi que vous fassiez, ils ne changeront pas. Et c'est ça qui est terrible. Ça veut dire, tel que nous sommes là, vous avez des gens qui vont aller au ciel, d'autres qui vont aller en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est que ben, tous, on n'est pas de la semence de Dieu. Quelqu'un a levé la main ici? Oui, Sabrina, on va te passer le micro. Bonjour, on n'entend rien, il n'y a pas de son. C'est allumé, le micro est allumé là, c'est vert? C'est bon, c'est allumé. Ok. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Oui. Comme ça les frères se vont voir. Bonjour à tous. Ok. J'ai une question par rapport à Luc 17, verset 7. Le devoir du serviteur. En fait, je n'ai pas bien compris la notion de serviteur inutile. Ok. Vous, quand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Oui. Effectivement, parce que la Bible nous dit, notamment dans Ésaïe, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit par nous. Hein? Donc, tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et Dieu t'appelle. Il te donne des capacités pour accomplir un projet, pour réaliser un projet. Et ces capacités-là ne viennent pas de toi. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit au verset 5, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que toute cette gloire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la grâce, ce que la Bible appelle la grâce. Tu vois? Donc, si tu pries pour un malade, que le malade est guéri, ce n'est pas toi qui l'as guéri, c'est le Seigneur. Donc, nous sommes des instruments, Amen. Des serviteurs inutiles. Amen. Merci. Voilà. Oui, jeune homme, lève-toi. J'avais une question. D'accord, quel âge as-tu? J'ai 10 ans. 10 ans, ok. Que veut dire 666? 666, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Vous voulez qu'on arrête là, après cette réunion, qu'on arrête avec les réunions de jeunes ou comment? Qui veut qu'on continue un peu jusqu'à ce que Dieu nous arrête? Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête, pour qu'on passe à autre chose. Alors, Apocalypse chapitre 13, c'est une très bonne question que notre frère a posée. Qui a déjà entendu parler de 666? La marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1er. Alors pour votre information, le livre d'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Alors quand on entend Apocalypse, pour beaucoup de gens, ce sont les catastrophes naturelles, tout ça. C'est ça, non? Qui croyait que c'était ça? Ça, c'est Hollywood qui nous a induit en erreur. D'accord? C'est complètement faux, c'est du mensonge. Ça, c'est l'œuvre de Satan pour détourner les gens de la véritable parole. En fait, Apocalypse veut dire simplement, ça vient du mot apocalypsis, du grec apocalypsis, qui veut dire action de d'ôter le voile, ou encore révélation. Voilà, révélation, c'est ça Apocalypse. C'est-à-dire Dieu nous révèle le futur. Dieu nous révèle les choses cachées. Et apocalypsis vient du verbe apocalypto. Apocalypto, c'est le verbe qui veut dire simplement révéler. D'accord? Révélé. Or, Dieu se révèle. Contrairement, le Dieu de la Bible, hein, contrairement à d'autres divinités, hein, notre Dieu se révèle. Voilà. Maintenant, dans ce livre, qui est le dernier, eh bien, il est
question de la révélation de Jésus-Christ. Et ça commence d'ailleurs par là. Révélation de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ qui se dévoile, qui se révèle à nous. Donc ce n'est plus un mystère, il n'est plus un mystère. Et maintenant dans le chapitre 13, il est dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Alors Jean, bien sûr, utilise des symboliques. Quand il dit bête, ce n'est pas bête, bête, pas un animal comme on l'entendrait. Mais en fait, c'est un individu qui a un comportement bestial. Je vous ai dit que les démons, quand ils sont tombés du ciel, ils ont pris la forme d'animaux, tout ça. Et donc, la première bête ici, on nous dit qu'elle sort de la mer. La mer ici, pareil, ce n'est pas la mer-mer. La mer ici veut dire simplement le monde. Voilà. Donc, c'est un être humain qui sortira des nations. Pas d'Israël, parce que la mer ici parle des nations autres que Israël. Donc, c'est l'antichrist. On nous dit que, voilà, et on ne va pas s'arrêter sur cette bête. On va plus loin. Et au verset 11, « Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. » Donc là, c'est la deuxième bête. Il est question ici, bien sûr, de la religion paganisée, de la fausse église. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les églises du monde entier, l'église catholique, et toutes les religions. Hein, donc tout ça, le bouddhisme, l'islam, tout ça, donc c'est le syncrétisme, le mélange de toutes les religions. Et on nous dit que cette bête, la deuxième, avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Donc elle ressemblait, cette bête, hein, à l'agneau, donc Jésus-Christ. Mais elle parlait comme le dragon. Donc vous voyez l'apparence. Cette bête, la deuxième, a une apparence pieuse et, pour séduire, pour attirer les gens. Mais quand elle se met à parler, c'est le dragon qui se trouve en elle. Donc c'est Lucifer en personne, c'est le diable, le serpent ancien. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui était bien vivante. Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence comme compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, c'est quoi cette marque-là, justement? Et alors, c'est un sceau. Tu sais ce que c'est, un sceau? Hein? Quelqu'un a dit c'est quoi? Ok, c'est bien, c'est bien. Alors, le sceau, c'est quoi? Un sceau, c'est quoi? C'est juste une... Le sceau était comme une espèce de... C'est une marque, hein, qui authentifie un acte. Par exemple, l'acte de vente. Tu achètes un véhicule, on va mettre un cachet dessus. Tu vois, non? Donc, le cachet authentifie l'acte de vente. D'accord? Tu comprends? Donc, sans ce cachet-là, le sceau, là, tac, tac, l'acte de vente n'a pas de valeur. Alors, pour nous, les chrétiens, notre marque, les chrétiens aussi ont leur marque. Notre marque, c'est le Saint-Esprit. Amen. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que les gens ont une belle voix, parce que les gens chantent dans les chorales qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils vont dans les assemblées qu'ils sont chrétiens. C'est parce qu'ils ont la marque de Dieu. Ils peuvent ne pas aller dans une assemblée, mais ils sont de Dieu parce qu'ils ont la marque du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et la première marque, c'est la sanctification. D'accord? Alors, on nous dit que cette marque-là, la marque de la bête, devait être apposée ou mise sur la main droite ou le front. Alors, pourquoi le front? Pourquoi la main droite? C'est simple. Dans Deutéronome chapitre 6, on ne va pas le lire, mais juste pour vous rappeler ce passage. Dieu demandait aux enfants d'Israël d'avoir la marque de sa parole, ce qu'on appelle les phylactères, c'est-à-dire un étui, un petit étui, hein, une petite étui, dans lequel il devait mettre des versets bibliques.
Et ils attachent, vous voyez bien, les juifs ultra-orthodoxes ont un phylactère au niveau de leur front, c'est un petit étui, et dans lequel ils ont mis des versets bibliques. Alors pourquoi le front? Ben, le front, c'est la pensée. Vous savez, la plupart des choses que nous faisons, ben, ça commence par la pensée. On commence par penser, on convoite, on commence à se nerver au niveau de la pensée, de la tête, et après on exécute. Ah ben, Dieu veut que notre pensée soit remplie de la parole du Seigneur. C'est pour ça que dans Philippiens 4, 8, il est dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est digne d'honneur, tout ce qui mérite, tout ce qui est saint, qui est vertueux, qui honore Dieu, et, soit l'objet de vos pensées. Et ensuite, la main droite, pourquoi? Parce que ben, la main, chez les Hébreux, la main droite, c'est l'action, c'est l'autorité, c'est le gouvernement, et nous pensons et nous agissons. Par exemple, là, je pense, ben, je prends ma Bible, hop, je pense, prends ta Bible, eh ben, ma main va exécuter ma pensée. Voilà. Et c'est ça. Eh ben, la marque de la bête, les gens l'ont au niveau de leur pensée. C'est d'abord le péché. Alors, pourquoi 3-6? Eh ben, c'est simple. On nous parle du dragon, donc le serpent ancien, Satan, Lucifer. Deuxièmement, on nous parle de la première bête, l'homme impie, le futur dirigeant de la terre. Il est déjà là. L'antichrist. Et troisièmement, il y a la deuxième bête, c'est-à-dire la fausse église. D'accord? Donc, il y a le dragon, il y a l'antichrist, et il y a le faux prophète qui dirige toutes les églises du monde entier, toutes les religions. Eh bien, ces trois individus, Satan, l'antichrist et le faux prophète, eh bien, ont chacun un 6. Alors, pourquoi le 6? Pourquoi 6? Eh bien, Dieu est... Il utilise le chiffre 7, le nombre 7, pour parler de, de lui-même. Parce que 7, le chiffre 7 nous parle du repos, de la sanctification, de la justice de Dieu. Et Satan, lui, il a choisi le... En fait, l'homme a été créé 6 jours après, donc le 6e jour. Tu vois, non? Il y a 7 jours dans la Bible, hein, et dans le monde. Et l'homme a été créé, non le premier jour, non le deuxième, non le troisième, mais le 6e jour. Et le chiffre 6 parle de l'homme. Voilà. Alors, les 3-6 nous parlent de la triple rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. D'accord? Donc l'homme va d'abord écouter le diable, il va écouter l'antichrist, et il va écouter le faux prophète. Triplement. Voilà. Et ça, c'est pour marquer la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens dans le monde, notamment des jeunes comme toi, des enfants, se rebellent de plus en plus contre Dieu et contre leurs parents. Et la parole nous dit qu'à la fin de temps, Paul dit dans 2 Timothée 3, que les jeunes, les enfants seront rebelles vis-à-vis de leurs parents, et c'est ce qui se passe. Des jeunes qui sont en rébellion contre les autorités, au point de manquer du respect à la police, aux gendarmes, tout ça, dans les cités. Vous voyez, toute cette rébellion-là, et beaucoup sont dans la drogue, dans le péché sexuel, et ils vont narguer leurs parents, ils vont manquer du respect aux parents, tout ça, ben, de plus en plus les hommes deviennent rebelles. Voilà. Donc, voilà le 666. Et ensuite, il y a, ça c'est d'abord une marque spirituelle, hein, c'est au niveau de la pensée des gens. Beaucoup ne pensent qu'au péché. Et on nous dit que l'image de la bête va être animée. Eh ben, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'images. Les gens font attention à leur image, tout ça. Les photos, les vidéos, les poses sur Facebook, sur les réseaux. Regardez bien comment les gens mettent l'accent sur leur propre image. C'est terrible. Et ils sont dans l'adoration, ils font une dévotion, il y a une adoration terrible vis-à-vis des images. Et des posters, des gens dans leur chambre, tout ça. L'idolâtrie à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Sur les réseaux, les gens vont s'exhiber, ils vont... Eh bien, c'est ça, l'image de la bête qui se met à parler, tout ça là. Et l'image de la bête, c'est aussi Hollywood, avec ses films sataniques, diaboliques, tout ça, où on encourage le péché, on encourage toutes sortes de choses que Dieu condamne. Voilà. Et les gens sont possédés comme ça, se possèdent. Et puis après, il y a la puce électronique qui de plus en plus sera obligatoire, qui va être imposée aux gens. Et on ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est aussi l'argent-monnaie, parce qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent-monnaie. Donc, il y a plusieurs aspects de la marque de la bête, hein, le 666.
Donc il y a d'abord la marque spirituelle. Le côté spirituel, c'est le péché. Le côté matériel, tout ça, ben, ça va être la puce électronique. C'est l'argent aussi, monnaie. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'argent, monnaie. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour nous montrer que nous sommes vraiment à la fin. Selon les Écritures, chacun doit se préparer pour le retour du Messie. Voilà. D'accord ? Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question relative à Matthieu 10, 5 à 6, qui est, c'est lorsque Jésus envoie les apôtres pour aller accomplir la mission. Et en fait, il leur demande de ne pas aller vers les païens, ni les samaritains, mais simplement d'aller vers les juifs. Et j'aurais aimé savoir pourquoi il avait stipulé cela. Très bonne question. On va dire, t'es un père de famille. Et tu reçois, et tu as une femme, tu as 5 enfants, on va dire, et tu te retrouves avec un médicament qui soigne le sida. D'accord ? Et toute ta famille est malade. Avant d'aller soigner les voisins, n'est-ce pas logique de commencer par sa propre famille? C'est pour cela que le Seigneur disait, n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez les nations, donc les gentils, tout ça. Et allez d'abord chez les brebis perdues d'Israël. Parce qu'une fois que Israël allait être restauré, à son tour, cette nation allait apporter l'éclairage, la lumière à d'autres. C'est ça en fait. Voilà. Est-ce qu'un athée peut aller au paradis? Non, un athée ne peut pas aller au paradis parce que Jésus dit, et Hébreux chapitre 11 nous dit, que sans la foi, il est impossible, au verset 6, d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui donne un salaire, qui paye les gens qui le cherchent. Donc on ne peut pas être athée parce qu'un athée, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et qui se définit comme un incroyant, alors que tous les athées sont croyants parce qu'ils croient que Dieu n'existe pas, donc ils croient. Voilà. Donc ils ne peuvent pas aller au ciel. Il n'y a pas d'athée. N'est-ce pas? Tout homme est croyant. Donc ça veut dire que les religieux eux-mêmes, ils n'iront pas... Comment? Les religieux. Et bah parce qu'il y a des religieux, ils sont vraiment là-dedans. Enfin, ils sont... Oui, il y a des religieux qui sont complètement religieux, effectivement. Non, aucune religion ne sauve. C'est ça, justement, le problème. C'est ça, le problème. Regarde, est-ce que tu peux, tel que tu es là, je prends un exemple. Tu vois ce mouchoir-là, cette serviette. Pourquoi ça ressemble? À ton avis, elle va répondre à votre avis. Pourquoi cette serviette-là retombe? Hein? À cause du truc, quel truc? Quelqu'un va nous aider? La force de la gravité, la traction terrestre, tout ça là. On est d'accord? Qui c'est qui a découvert ça, votre avis, avec une pomme? Hein? Newton, très bien. Là, on va être un peu dans la culture générale. C'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Un jour, Newton a pris une pomme. En fait, il a regardé un pommier et il a vu des pommes tomber de l'arbre. Il s'est dit, mais c'est bizarre. Ça tombe. Pourquoi? Ben parce que il y a l'attraction terrestre, la gravité. Et donc, ben, il y a aussi une gravité spirituelle qui fait que aucune âme ne peut s'élever vers Dieu. Or, la religion, c'est quoi? La religion te dit, voilà, il y a toutes ces pratiques religieuses, si tu les observes, tu vas atteindre la divinité. Tu vois, non? La religion te dit, il faut faire le carême pour plaire à Dieu. La religion te dit, il y a le vendredi saint, il ne faut pas que tu manges... je sais pas, du poisson, je sais pas quoi, là.
La religion te dit qu'il faut prier en direction de telle ville. Bon, ceux qui n'ont pas de boussole, ceux qui n'ont pas la... Les pygmées, tout ça, là, ils sont mal barrés. Hein? Voilà. Donc, allez leur parler du nord, sud, est, l'ouest, ils ne connaissent pas. Donc, la religion te dit qu'il faut laisser pousser la barbe, il faut porter tel machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Et vous allez vous apercevoir que vous allez commencer à prier 10 fois par jour, et un jour, vous êtes tombé malade, vous pouvez prier. Et vous condamnez, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas satisfaire Dieu ou encore répondre à ce qu'on a, aux exigences de la justice divine en jeûnant, en faisant du bien aux gens. C'est impossible. Tout comme cette serviette, ne peut pas décoller, aller jusqu'à quitter la terre, aller dans l'espace. De même, nos esprits ne peuvent pas s'élever comme ça pour atteindre Dieu. C'est impossible. Eh bien, la force qui retient nos esprits sur terre s'appelle le péché. Et dans en science, ça s'appelle l'attraction terrestre, la gravité, tout ça là. D'accord? Donc, c'est impossible. D'accord. Et c'est pour cela que Dieu est descendu vers nous. Et enfin, là, vu qu'on vit dans le monde, là, par exemple, dans la télé et tout, c'est rempli de mauvais esprits et tout, mais en fait, comment on fait, nous? Parce que des fois, on va se poser, on va regarder la télé. Ben, comment on fait? Ben, vous ne devez pas... on vous donne une boisson empoisonnée. Vous rentrez dans un magasin. Le magasin, on va dire, c'est le monde. Vous avez plusieurs rayons. Vous avez du poison... Sur le rayon A, sur le rayon B, vous avez du jus de fruits, jus d'orange. Mais c'est à vous de sélectionner. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Vous ne devez plus subir les choses. C'est ça, être chrétien. Tu vois? Voilà. Être chrétien, c'est avoir les capacités de Dieu. Dieu nous rend capables pour choisir entre le bien et le mal, choisir le bien. Avoir le discernement. Voilà. D'accord? Voilà. Et le Seigneur dit quoi dans Matthieu 5? Si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la couper. Bien sûr, il ne faut pas la couper physiquement. Sinon, on serait tous manchots ici. Là. Voilà. D'accord? Voilà.